Concrètement, on espère du courage politique. Concrètement, on espère que le futur maire va mieux gérer les appels d'offres de la collectivité pour que ces appels d'offres n'aboutissent pas, parce qu'ils aboutissent actuellement trop, sur des nouvelles organisations, des nouvelles entreprises qui utilisent de la main-d'œuvre étrangère. Donc ça, c'est absolument insupportable pour la main-d'œuvre locale, pour les entreprises locales, et pour la main-d'œuvre locale qu'elle porte. Donc il faut absolument qu'on réagisse, il faut absolument qu'on se défende, parce que sinon, demain, ça va être une véritable catastrophe pour l'emploi local.